Je suis convaincu que le président Sine sera le président de la Guinée. La seule prière que moi je formule tous les jours, c'est que lorsqu'il sera présent ici, puisqu'il le sera, que ce soit devant nous tous, en bonne santé, vieux, jeune, adulte, sage, communicant, serré, qu'il soit présent devant nous tous, pour qu'on soit fiers de dire qu'on a bien fait de supporter un homme capable de réconcilier les Guinéens, mettre les Guinéens au travail pour sortir ce pays de la misère et de la pauvreté. Quand je parle des militants, je voulais saluer la présence particulièrement de M. Sall Moudiataba de Tiangelbori. Ça, c'est un engagement, c'est un symbole, c'est un homme handicapé. Mais qui est là, qui se déplace, qui vient assister les samedis à l'Assemblée générale du parti. Le symbolisme de ça est très fort, comme pour dire qu'il est convaincu que le président Sall est capable de réconcilier les Guinéens. Il est capable de mettre les Guinéens au travail. Il est convaincu qu'avec le président Sall, la Guinée sera un pays uni et prospère. Il est convaincu qu'avec la Sall, on ne parlera pas d'ethnie dans ce pays. On ne parlera pas de Peul, de Malinké, de Soussou et de Forcé. On parlera de la Guinée. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça, malgré son handicap, il se déplace pour venir ici. Ma prière est qu'il soit encore en bonne santé quand le président Sall sera le président de la Guinée. Il ne le fait pas pour être prophète. Il ne le fait pas pour être maire. Il ne le fait pas pour être gouverneur. Il ne le fait pas pour être ministre. Il le fait parce qu'il a confiance à Sall. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde jusqu'à l'arrivée de notre champion au pouvoir. Nous avons tout à l'heure parlé des accidents de la route. Nous avons parlé des morts des Guinéens à Massanta, à Farana, à Yekidou, à Boké, à Mamou, à Dabola. Les accidents de la route nous ont endeuillés. On a perdu nos frères comme ça. Je vais vous donner la garantie que lorsque le président Sall sera président de la Guinée, la première chose que nous allons faire, je vous le dis, aucun véhicule ne rentrera dans ce pays avant qu'on ne fasse le contrôle technique. Les véhicules du port, le contrôle technique va être obligatoire parce que nous allons créer des conditions pour qu'il y ait des centres de contrôle, de visite et de contre-visite. Vous prenez votre véhicule, vous êtes obligé d'aller dans ces centres-là. Nous allons l'évaluer pour savoir est-ce que ce véhicule peut, est-ce qu'on peut mettre ce véhicule en circulation. Premier acte, contrôle technique. Deuxièmement, aucun véhicule ne sera immatriculé dans ce pays avec président Sall. Aucun véhicule ne sera immatriculé si vous ne présentez pas la garantie du certificat de visite et de contrôle. Aucun véhicule n'aura un numéro. Si le véhicule ne répond pas, si le véhicule n'est pas conforme, il ne rentrera pas, il ne va jamais circuler. Troisièmement, nous allons aider les privés à créer les auto-écoles. Aucun Guinéen n'aura droit à conduire un véhicule si tu ne passes pas par l'auto-école. Tu vas faire des cours théoriques, avoir ton diplôme pour des cours théoriques. Tu vas avoir ton diplôme pour des cours pratiques. Ce sont ces papiers-là que tu vas prendre pour amener là où on donne les permis de conduire. C'est là. Si tu n'as pas ces papiers, tu n'as pas fait de cours théoriques, tu n'as pas fait de cours pratiques, tu n'auras pas droit à un permis de conduire. Pourquoi ? Parce que nous allons créer des conditions que le permis guinéen, tellement qu'il va être bien fait,
il sera valable dans tous les pays au monde. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, l'État ne s'engage pas à contrôler. L'État ne s'engage pas à dire que la vie humaine doit être conservée. Si l'État ne s'engage pas à prendre ses responsabilités, comme l'a dit le ministre de l'administration du territoire, qui a des chauffeurs qui sont dans un état second, qui sont drogués, qui prennent de l'alcool et qui prennent la direction. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Si quelqu'un est capable de se saouler la gueule, prendre un véhicule, c'est de la responsabilité de l'État. Évidemment, quand vous parlez de route, quand vous parlez de permis de conduire, il faut régler les routes. Parce que s'il n'y a pas de route, même si vous avez un permis, vous avez fait le contrôle de visite technique, contrôle de visite, si vous n'avez pas de route, les pneus qui doivent rester pendant 6 mois, pendant une année, vous n'avez pas de pneus. Aujourd'hui, allez dans le Fouta, il va arriver un moment où les gens ne pourront plus circuler. Il faut investir sur les routes. À ce niveau-là, nous n'avons pas de problème parce que notre champion est un spécialiste des routes. Tout ce qu'il y a eu ici comme route, en Haute-Guinée, en forêt, c'est l'œuvre du président Sélou sous la gouvernance de M. Lansana Conté. Mais c'est le président Sélou qui était le patron des projets. C'est lui, parce qu'il n'y a pas de projet. Si vous ne faites pas de projet correct, vous n'avez pas d'argent. Ce qu'on appelle un projet bancaire. Nous allons faire des routes pour éviter ces accidents qui continuent à endeuiller les Guinéens. Nous avons écouté le Premier ministre dire aux autorités de la police, vous n'avez pas le droit, on va faire des enquêtes, il faut identifier, contrôler vos équipes. Mais là, je suis entièrement d'accord avec le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, dans les manifestations, d'autoriser des gens à aller avec des armes. Le Guinée n'a pas le droit de mourir dans une manifestation. Quand vous avez envie, d'encadrer la manifestation, vous partez avec des armes conventionnelles. Dans tous les pays au monde, il y a des manifestations. Vous avez vu hein, dans certains pays où tu as le droit de prendre une arme à feu et venir dans une manifestation. S'il y a des morts, après tu dis que tu ne sais pas. Ceux qui doivent sortir pour venir dans les manifestations doivent être contrôlés. On doit pouvoir les identifier. On doit savoir qui est qui. J'ai vu la femme de Taouya, une douanière, dont l'enfant a été tué, abattu. J'ai vu sa tête, le contenu de sa tête à cause de la balle. C'est insoutenable. Cette femme qui a perdu son enfant, je ne sais même pas, il a quel âge, 15 ans, quelque chose comme ça, 14 ans, une douanière. Quand vous avez envie de venir dans les manifestations, bon sang, laissez vos armes, laissez les balles là-bas, prenez les armes conventionnelles. Vous avez le droit de jeter l'eau chaude, vous avez le droit de prendre des matraques, vous avez le droit de jeter des gaz lacrymogènes. Vous n'avez pas le droit, comme si vous étiez en guerre, comme si c'était des animaux qui étaient en train de manifester, comme si ce n'était pas des Guinéens, comme si ce n'était pas vos enfants, comme si ce n'était pas vos frères. Il faut que ça s'arrête. La Guinée n'est pas le seul pays au monde. Sortez-moi un seul pays en Afrique ici où il y a une manifestation où on peut prendre des armes, aller tirer sur des êtres humains comme si c'était des animaux. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce qui s'est passé à Taouya, ceux qui sont responsables de ça, ceux qui ont tué à Taouya, qui ont rendu cette femme, cette pauvre femme douanière, il faut qu'on les identifie. Il faut qu'on les sanctionne.
Il faut que le ministre de la sécurité informe le directeur national de la police que nous sommes des Guinéens, nous ne sommes pas des animaux, que quand il y a une manifestation, on n'a pas le droit de prendre des armes contre les citoyens guinéens. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Premier ministre s'est engagé, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Pour ça, il peut compter sur notre soutien. Il faut qu'on identifie plus jamais que dans une manifestation qu'on tue quelqu'un. Quand j'ai vu le père de notre dynamique, Mme Assiré, qui a fait un livre, vous savez ce que coûte pour faire un livre? C'est beaucoup d'argent. C'est difficile. Un homme presque à la retraite qui s'est battu, qui aime écrire, qui a privé ses enfants de beaucoup de choses, s'il n'est pas accompagné, ça ne sert à rien. Madame Assiré, je voudrais te garantir que le président s'est au pouvoir. Nous allons soutenir les maisons d'édition. Nous allons mettre un budget. Et tous ceux qui sont amoureux de l'écriture vont être accompagnés. L'État va les accompagner. L'État va financer la production des livres. Quitte à eux, après, de rembourser l'État. Ça veut dire quoi? Vous voulez 100 livres, 200, 300, l'État finance. Quand ces livres sont vendus, vous rendez l'argent de l'État. Comme ça, vous êtes encouragés à continuer à faire des livres. Combien de personnes ont l'intention d'écrire? Le vice-président Bano peut écrire ses mémoires concernant la CENI. Maj, ici, présent, qui a passé sa vie dans la culture, si on l'accompagne, on crée des conditions, il est capable d'écrire ses livres. Combien de Guinéens ont envie d'écrire des livres? Ne vous en faites pas, prenez patience. Le champion arrive. Cette question de livre va être aussi réglée. Je voudrais dire quelque chose à l'endroit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, à l'endroit des magistrats de ce pays. Moi, je ne suis pas un homme de droit. Mais j'ai envie de savoir quels sont les rapports entre ces avocats et la CRIF. J'ai envie de savoir qui a raison. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de savoir comment quelqu'un, un citoyen guinéen, n'importe lequel, peut rester pendant 2 ans en prison sans qu'il ne soit jugé. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand la Cour suprême décide de libérer quelqu'un et que le procureur dise non, il ne sera pas libre. Monsieur le bâtonnier des avocats, faites une conférence de presse pour nous expliquer, parce qu'on est perdu. Un citoyen est un citoyen. Comment ça s'explique que pendant 2 ans, Monsieur Kassouri Fofana est en prison. Tamaro est en prison. Nous, UFDG, on parle de citoyens. Quand quelqu'un est en faute, quand quelqu'un a volé, quand quelqu'un a triché, moi je dis c'est inacceptable. Il faut le prendre, le mettre en prison, mais il faut le juger. Si tu as des preuves, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Vous ne pouvez pas laisser indéfiniment des gens en prison s'ils meurent. Si Kassedi meurt en prison, si Luceni a perdu la vie en prison, Roger Bamba a perdu la vie en prison, il n'a pas eu droit à la justice, il n'a pas été jugé. C'est inacceptable. Si vous avez des preuves, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation.
On m'a dit cette semaine que Damaro était dans un état critique. Les jeunes me demandent, ils vont dire, ah, IFDG. Non, attendez. Attendez. On n'a jamais été d'accord avec le RPG. On a été jamais d'accord avec Damaro, Kassori, tout ça. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la Guinée. Parce que ce qui arrive à Kassori, à Damaro, peut vous arriver, peut m'arriver, peut arriver à tout le monde. Dans ce pays, quand on est en faute, quand on est en faute, il faut faire le jugement. Quand quelqu'un est coupable, quelle que soit la fonction qu'il a occupée, il faut le juger. Mais on ne peut pas le mettre indéfiniment en prison. Il est de la responsabilité de l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Si vous n'avez pas de preuves d'accusation, vous les libérez. Mais on ne garde pas quelqu'un en train de chercher les preuves d'accusation. Messieurs le bâtonnier de l'ordre des avocats, on a bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Dites-nous, on nous sommes inquiets. Je voudrais apporter notre soutien total à la presse guinéenne. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est inacceptable. Je me lève à 7h du matin pour suivre Film FM, pour suivre Espace. On était heureux sur Yoma. On connaissait le programme de toute la journée en soussou, en langue nationale. Aujourd'hui, la presse, elle est muette. Je me pose la question, où sont les responsables des organes de presse? Vous êtes où? Vous êtes où? C'est comme si moi je vous reposais la question que vous nous avez posée pour dire les politiques, vous n'avez pas de stratégie. Où sont vos stratégies? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Vous pouvez rester comme ça, les bras croisés? Vous perdez vos emplois? Vous perdez tout? Yassine, le président de la HAC, est un ami pour lequel j'ai du respect de considération. Mais aujourd'hui, Yassine doit être interpellé. Vous devez interpeller Yassine. Parce que moi-même, si quelqu'un porte plainte contre tant, oh pauvre, voilà, bon, voilà, on se retrouve, on a signé, tu es suspendu pendant 6 mois, tu es suspendu pendant 8 mois. Ça ne peut pas continuer. Mais l'aimé, vous dites que ça, c'est pas possible. Sinon, vous prenez votre responsabilité. Vous dites qu'à partir de maintenant, vous ne connaissez plus Yassine comme étant président de la HAC. Vous le désactivez, vous dites que vous ne le connaissez plus. Vous demandez à ce qu'on le remplace. Le président de la HAC a pour devoir de soutenir et d'aider et d'être du côté de la presse. Il ne doit pas être l'ennemi de la presse, il ne doit pas être contre la presse. Ce n'est pas possible. Trouvez votre stratégie. Vous nous avez dit de trouver notre stratégie. Il est de votre devoir maintenant, vous aussi, de trouver votre stratégie. Allez vous retrouver pour trouver la stratégie. Je voudrais ici, en votre nom, dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans la presse. La presse doit être soutenue. Je vous garantis, ici, président Sélou, président de la Guinée, la subvention de la presse doit être votée, encouragée, et on mettra les conditions en créant la maison de la presse. Pour vous créer les conditions vous permettant de travailler. Parce que vous avez le droit d'être soutenu. La presse guinéenne a le droit d'être soutenue. Nous avons des journalistes brillants, compétents, qui font la fierté de l'Afrique. Vous ne devez pas accepter d'être réduit comme ça, comme des simples mendiants. Vous refusez ça. Interpellez Yahak, interpellez Yassine. Ce n'est pas le CNRD. Votre problème, c'est Yassine. S'il ne veut pas jouer son rôle, il a peur. Demandez-le, il faut le désavouer, il faut dire qu'il n'est plus le président de la République. Opposez-vous à lui. Yassine, c'est un ami. C'est un ami pour lequel j'ai des relations d'amitié, de fraternité.
Mais je préfère la presse. Je préfère la vérité. Je préfère la justice à l'injustice. Vous êtes victime d'une injustice. Yassine devait être le premier à aller voir le CNRD pour expliquer quel est le rôle de la presse dans un pays. Libérez. Libérez les chaînes. On doit être indépendant. On doit écouter la presse. Il n'y a pas de démocratie sans presse. Je voudrais terminer mon intervention pour féliciter l'équipe qui a pour mission de superviser et de valider le processus électoral de renouvellement des mandats des structures de base de notre parti. Je veux parler de Selou Baldé, qui est le coordinateur des fédérations de l'intérieur, Souleymane Konaté, conseiller du président Selou, Docteur Kenno Ismaël Doucouré, secrétaire général de la jeunesse. Je voudrais à leur nom les féliciter. Ils sont à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, au Fouta, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, les Guinéens de l'extérieur, les fédérations de les institutions sont données. Nous allons mettre en place nos structures, les structures du parti. Et pour objectif final, mettre à la tête de notre parti le président Selou Dalein Diallo. Nous allons organiser le congrès du parti. Ce congrès se fera en présence du président Selou Dalein Diallo. Il ne le fera pas par procuration. Il rentrera au pays. Nous allons organiser le congrès. Nous allons le mettre à la tête du parti. Et je suis convaincu que si les élections sont organisées dans ce pays, incontestablement, le président Selou va gagner ses élections avant le second tour. Il n'y aura pas de second tour. Il va gagner un KO. Mais on a des congrès. Congrès, on va attaquer au président Selou. Si on a un dodo, on a un salpana. Foyamo, on a ta. Mais on a mon président IFDG. On a le président du parti. On a fait bien la rame. On a wali na mpari na ki, on a rabafi. On a je wali ra, mon congrès n'a organisé ma. Na congrès, amoura ma président Selou Khambi, araba ma ya warine. C'est l'une des sommes à bé, salfana ne à latin. Béame. Baramoui Kela, intérieur là. Nous tenons le canal sur là. Kabela, la Guinée Bécono. Maman, la situe là. Maintenant, le congrès Kela, a dit qu'elle est présente, c'est le corps. Aïe Kela, n'y a pas de Mbaké wala selu kon wala ko salfan watili ka wata aeroport kanadi ka congrès ke. Vive le président Selou Dalein Diallo. Vive le président Selou Dalein Diallo. Soutien à la presse guinéenne. Soutien à la presse guinéenne. Vive la presse guinéenne. Merci, je vous remercie.